Bonjour, voilà. Bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent pour cette dernière après-midi de notre université d'été du réseau des INSPE, on arrive un peu en bout de course, mais nous avons encore une après-midi de partage, hein, d'expérience. Et pour ceux qui nous ont suivis depuis 2 jours, nous avons donné des cartes blanches à des acteurs. Et il nous a semblé important cet après-midi de donner la parole aux principaux intéressés, finalement, les étudiants qui, soit en mobilité entrante ou en mobilité sortante, ont pu bénéficier d'une expérience à l'étranger. Alors nous avons 3 témoignages cet après-midi. Nous aurons une première vidéo que je vais introduire tout de suite. Puis ensuite, Clara Lefebvre qui pourra témoigner en présence ici avec vous. Et puis, nous l'espérons, une jeune étudiante néerlandaise à distance. Le premier témoignage, la première carte blanche, est celle de Mario Alexis Davila Torres, qui est professeur d'éducation physique au Jardín de Niños de Ajusco en México. Vous allez entendre le témoignage de Mario Alexis Davila Torres, qui a fait ses études à l'École supérieure d'éducation physique de Mexico. Il est venu à Poitiers en 2017 avec 4 autres étudiants et 2 professeurs dans le cadre du projet franco-mexicain Normalistas en Francia. Il a été très investi dans le programme et a été plutôt meneur dans les activités qui lui ont été proposées, que ce soit en classe ou à l'INSPE. Il est maintenant professeur d'éducation physique à l'école Ajusco au Mexique, à Mexico même. Et il fait en parallèle des études de master à l'école ENED, École supérieure des entraîneurs. Il fait aussi de la recherche pour le compte du ministère de l'Éducation nationale mexicain. Bien Mario, moi je suis ravi de l'occasion avec ce témoignage de te retrouver. Et est-ce que tu pourrais nous décrire cette expérience de formation en France pendant ce séjour de 3 mois au sein de l'ESPE de Poitiers? Oui, et premièrement, et merci pour l'invitation. Et c'est un plaisir d'être avec vous à nouveau. Et cette expérience, ce programme académique, il était très riche par notre vie et pour l'enseignement. Et il faut parler que ce programme académique permet aux étudiants qui sont en formation et pour les écoles normales ici au Mexique de s'entraîner, de s'informer et d'analyser le système éducatif français. Et c'est-à-dire quand on est allé à la France et on a suivi des cours, on a fait des conférences et académiques, on a observé des cours dans une salle de France et il faut parler de que c'est comme un type de pratique pour les étudiants mexicains. Ok, évidemment, quand on passe 3 mois dans un pays, on vit aussi. Voilà ce que vivent le quotidien des habitants locaux. Et j'imagine que tu n'étais jamais venu en France. Et donc, comment tu imaginais la France et qu'est-ce que tu as trouvé qui t'a surpris dans le comportement des Français? Oui, en fait, c'est plus intéressant parce que quand je suis allé à la France, c'était la première fois que je suis allé là. Et donc, il y avait un petit peu de peur, mais il faut toujours parler de l'importance des personnes qui étaient très gentilles avec nous, avec les participants de ce programme. Donc, par nous, la France est très connue pour ses lieux emblématiques, pour sa nourriture, pour l'histoire. Et j'avais certains clichés avec les gens, par exemple, qui étaient très sérieux et qu'ils mangeaient tout le temps des baguettes et du vin. Mais en réalité, j'ai rencontré des gens sympathiques, toujours à l'écoute
qui nous aidait et nous sont reçus la meilleure de la meilleure façon. Donc, je me suis toujours senti chez moi. Et peux-tu nous dire quels apports tu as reçus de ce programme de mobilité? Oui, c'est très riche à tout point de vue. D'abord, l'aspect académique dans lequel nous avons rencontré un système éducatif français et nous avons eu des interactions avec de différents acteurs, par exemple des collègues, des enseignants, des autorités et bien sûr des élèves. Et par exemple, individuellement, je suis allé à certaines activités de EPS, activités sportives, par exemple, de sciences, pour connaître les points de vue des autres collègues du même sujet. Et deuxième, vivre comme un citoyen français, et ça implique de changer certains coutumes. Par exemple, que nous avons ici au Mexique, et être à l'heure et saluer tout le temps, et parce que c'est un symbole de gentillesse. Et ce qu'on a appris ici et là-bas à la France, parce que c'est une manière de vivre. Et as-tu gardé des liens avec les étudiants avec qui tu étais en France? Oui, je pars beaucoup avec Sianja, qui c'est une fille de Guanajuato. Et il y a aussi le contact avec Karen, elle est de Tijuana. Et on a aussi l'interaction sur les applications de Facebook, de Instagram. Donc, on parle beaucoup, on envoie beaucoup de petites icônes, de petites, de réactions sur quelques publications que on fait. Et normalement, nous nous sentirons toujours reconnaissance et honoré d'avoir fait partie de cette merveilleuse expérience en France. Et est-ce que, donc depuis 2017, tu as développé un projet important? Oui, et après de cette expérience, on a parlé beaucoup de partager quelques idées que nous avons et partager aussi la connaissance pour des autres types de programmes académiques avec des étudiants normalistes. Donc, on a fait un projet très intéressant. Je vais vous partager une petite présentation. Et cette présentation ou ce projet s'appelle Normalistas en Francia. Et c'est un livre qui a été écrit par 14 personnes. Et on a vécu cette mobilité dans différentes années. Et on a aussi l'intention de partager cette connaissance. Et il était compliqué parce que nous sommes de différentes parties du pays et la distance, la communication, et dans quel moment c'est compliqué. Mais on a fait cet projet avec l'intention de symboliser l'importance que par nous c'était cette expérience. On a dans le livre la participation de Andrea Sarai. Elle était en Cahors en 2018. On a aussi la participation de moi. J'étais en Poitiers en 2017.
On a aussi Marina Marcela, elle était à Nantes en 2017. Et on a aussi Ángel Tadeo, lui, il était en Chrétien en Paris en 2016. On a Sofía Gutiérrez, elle était en Rennes en 2017. Et on a Selma Guzmán, elle était en Orléans en 2016. Annette Hernández, elle était en Orléans en 2018. María Celina, elle était en Orléans en 2016. Berenice Irene, elle était en Le Puy-en-Velay en 2018. Et María Fernanda Martínez Torres, elle était en Lille en 2018. Et Amy Fernanda, elle était en Le Puy-en-Velay en 2017. Luis Gerardo Mendoza, lui, il était en Grenoble en 2017. On a aussi Karen Nieto, elle était en Cahors en 2018. Et on a Gabriel Sereno, lui, il était en Orléans en 2016. C'est important aussi de parler de personnes qui nous aident pour développer ce projet. Par exemple, nous avons ici à Alicia, que c'est une fille qui a fait l'image pour le livre. Et on a aussi Gustavo Franco. Lui, il était l'éditeur de quelques écrits de livres. Et on a aussi la représentation ici de le directeur Mario Chavez et Martin Montes. Ils ont coordonné tout le programme académique de la mobilité. Et ils sont les personnes plus importantes pour développer cette relation entre le système éducatif mexicain, que c'est les écoles normales, et les INSPE en France. Et nous avons quelques pages sur l'Internet. En Facebook, c'est Normalistas en Francia. On a aussi le livre Normalistas en Francia, que c'est une page de Wix. Et le email, normalistasenfrancia@gmail.com. Cette expérience est très riche par nous parce que c'est le symbole de la gentillesse qu'on a reçue de la France. Et on a l'idée aussi de développer un autre projet, un autre livre, que c'est l'édition dans la langue française. Marion, c'est à la fois émouvant de se replonger dans ce passé, pas si lointain, avec toi et tes collègues. Et c'est un beau projet que l'élaboration de ce livre à 14 Normalistas. Ce que tu nous as montré, finalement, illustre l'implication de 11 SP à l'époque, hein, qui ont contribué à ce programme bilatéral, hein, entre la France et le Mexique. Et je suis aussi très, très heureux que tu aies montré les photos de deux personnes très importantes, hein, dans ce programme, Mario Chavez et Martin Montes, hein, qui, au niveau mexicain, ont construit ce programme. Et je me permets de saluer mon ami Michel Perraudin, qui avait en charge à Eldréic cette zone géographique et qui est, du côté français, la personne qui a contribué à ce programme bilatéral. Je voudrais pas oublier Hélène Desormes, qui coordonnait, hein, au niveau du réseau des INSPE Vos Mobilités. Et puis, évidemment, te remercier toi pour... voilà, pour ce témoignage important, hein, cette mise en valeur de ce programme. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Gracias, Mario. Gracias. Il faut remercier à vous parce que cette contribution entre nous, entre la France et le Mexique, c'est important pour beaucoup de personnes. So, merci beaucoup et au revoir. Merci. Oui, je crois qu'on peut...
Voilà ce premier témoignage qui a son importance, hein, donc cette fois-ci plutôt d'une mobilité entrante d'un étudiant mexicain à Poitiers. Très rapidement, on peut voir que une première étape a été peut-être de combattre des préjugés, des représentations. Voilà, je vais à Poitiers, ça va être dramatique. Non, finalement, à Poitiers, ils sont assez sympathiques et je peux me sentir chez moi dans ce pays si loin de mon chez moi. Ce jeune homme a évoqué le fait de découvrir un nouveau système éducatif. Il a beaucoup aussi mis en avant la notion d'interaction et d'échange, hein, de pratique avec d'autres étudiants. On voit aussi que la dimension linguistique est travaillée. Ce jeune homme parle finalement assez bien français. Je ne parlerai pas de la dimension linguistique du directeur de l'INSPE de Poitiers. Et on voit qu'au-delà de ce temps assez court, finalement, de 3 mois, il y a une continuité puisqu'il y a des échanges qui se poursuivent et il y a la création de ce livre, hein, Normalistas en Francia, qui permet de laisser une trace de tout ce temps. Voilà, donc il y a une projection dans le temps et finalement, quand on lui demande ce que cela t'a apporté, il dit être riche. Voilà, c'est quand même une formule assez heureuse et vraiment belle. Voilà pour ce premier témoignage, cette première carte blanche. Nous allons profiter de la présence de Clara Lefebvre, qui est étudiante à l'INSPE de l'Académie de Reims, qui elle aussi a bénéficié d'une mobilité, elle va nous l'expliquer. Et au-delà de cette mobilité, elle a conçu son mémoire de Master MEF autour de ce travail. Le titre de son mémoire est « Les plus-values des mobilités à l'étranger vécues en formation initiale pour les enseignants du premier degré ». La parole est à toi. Alors déjà, bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Clara Lefebvre et je suis actuellement en deuxième année de Master MEF premier degré. Auparavant, j'ai obtenu une licence LLCR anglais à Nice, pendant laquelle j'ai eu la chance de suivre une année à Glasgow en Écosse avec le programme Erasmus. Cette expérience d'une année à l'étranger m'a donné envie de me questionner sur l'impact que ces mobilités pouvaient avoir sur les pratiques enseignantes futures. Et c'est donc l'objet du mémoire de Master MEF que j'ai rédigé cette année. Tout de suite, je vais vous présenter le plan de cette présentation. Donc tout d'abord, je vais vous faire part de mes premières lectures, ce qui sera un graphique. Ensuite, de mon cadre théorique, donc des articles sur lesquels je me suis appuyée pour rédiger mon mémoire. Des limites de ce mémoire. Puis je vais aborder la méthode de recueil de données que j'ai utilisée. Puis ensuite, je vous ferai part de mes résultats et donc de la conclusion qui en a suivi. Alors, tout de suite, au niveau de mes premières lectures, j'ai choisi de vous présenter un graphique tiré d'un article de l'Observatoire Erasmus. Il s'agit donc de la part des personnels considérant avoir modifié leur méthode d'enseignement ou leur pratique professionnelle suite à leur mobilité Erasmus+. Ils recensent la part des personnels de plusieurs secteurs d'enseignement, considérant que leur mobilité a eu un impact sur leur méthode ou leur pratique d'enseignement. Donc, on a donc les résultats du secteur scolaire, du secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle et du secteur de l'enseignement supérieur. Donc tout cela était sur un barème de 0 à 100%. Et puis ensuite, il y a une présentation conjointe des résultats dans la dernière colonne. Chaque secteur a dû évaluer si oui fortement, oui moyennement, oui à la marge ou non pas du tout, leur méthode et pratique avaient évolué à la fin de la mobilité. Et donc les résultats de chaque secteur ainsi que dans leur ensemble, comme je le disais, sont représentés sous la forme d'un diagramme en bâton. Et nous pouvons voir que dans l'ensemble, 95% des personnes interrogées estiment que la mobilité a impacté leur méthode d'enseignement et ou leur pratique professionnelle. Donc, au niveau de mon cadre théorique, j'ai choisi de m'appuyer sur 4 articles de recherche scientifique. Donc, le premier se nomme « Accueil de stagiaires étrangers et impact sur les gestes professionnels et les pratiques langagières et culturelles dans la classe ». Il a été écrit par Anne-Marie Dinvaux et est paru dans la revue de linguistique et de didactique des langues, l'IDIL. Le deuxième se nomme « Comment penser la notion d'interculturel dans la formation des enseignants du premier degré en France ?» Analyse de 3 notions, l'étranger, la rencontre, l'autre. Et il a été coécrit par Christine Hello et Britta Bennert et est paru dans la revue « Formation et pratique d'enseignement en question ». Donc le troisième se nomme « The impact of Erasmus mobility on the professional career, empirical results of international studies on temporary student and teaching staff mobility », qui se traduit en français par « L'impact de la mobilité Erasmus sur la carrière professionnelle »,
résultat empirique d'études internationales sur les mobilités temporaires des étudiants et des enseignants. Et il a été écrit par Constance Engel et est paru dans la revue belge de géographie Belgeo. Le dernier, The Professional Value of Erasmus Mobility, The Impact of International Experience on Former Students and on Teachers' Careers, qui se traduit en français par La valeur professionnelle de la mobilité Erasmus, l'impact de l'expérience internationale sur les anciens étudiants et la carrière des enseignants, qui a été écrit par Oliver Bracht. Alors, donc, au niveau des limites de ma recherche, au départ, je comptais me focaliser sur l'impact que les mobilités à l'étranger avaient sur les pratiques des langues vivantes, très, plutôt spécialement en classe, et plus spécifiquement les pratiques des enseignants du premier degré. Mais malheureusement, compte tenu de la situation sanitaire, je n'ai pas pu trouver de population d'études aussi spécifique. Donc le but de la recherche a un petit peu évolué et je me suis concentrée sur les plus-values de manière générale de la mobilité pour les enseignants du premier degré. Tous les articles de recherche semblaient aller dans le même sens et indiquer des impacts similaires, compétences et compréhension interculturelles renforcées, méthodes, pédagogies différentes, matériaux nouveaux, etc. J'ai donc voulu voir si ces hypothèses se vérifiaient au sein des MasterMEF en mettant en place un protocole de recueil de données. Donc pour cela, j'ai choisi de mener des entretiens semi-directifs et j'ai interrogé 4 professeurs des écoles. 2 d'entre eux ont eu la chance de faire de longues mobilités de plusieurs mois et les 2 autres des mobilités un petit peu plus courtes de quelques semaines seulement. J'ai donc construit ma grille d'entretien autour de 4 thématiques qui étaient retrouvées dans les articles de recherche, donc le contexte de la mobilité, où je les ai questionnés donc sur le lieu et la durée de leur mobilité, sur le contexte, c'est-à-dire professionnel ou lors d'un stage, et éventuellement l'organisme, par exemple Erasmus, comme ça a été le cas pour moi. Ensuite, la plus-value culturelle, j'ai posé des questions sur la réalité sociale et culturelle potentiellement ressentie, ainsi qu'une culture scolaire et professionnelle différente. Et pour la plus-value pédagogique, j'ai posé des questions plus axées sur les pratiques et les outils découverts et sur la mise en place d'un travail d'équipe et justement si tout cela a mené à une confrontation des pratiques personnelles. Ensuite, je leur ai posé des questions sur l'impact que tout cela a eu après leur retour et donc l'évolution de la compréhension culturelle du pays, l'éventuelle progression dans une langue étrangère et l'application des contenus et méthodes potentiellement découverts. Alors, au niveau des résultats, pour la plus-value culturelle, l'article de Dinvaux expose que ses participants ont dû s'ouvrir à une culture scolaire et professionnelle différente, information retrouvée également dans l'article de Hello. Les 4 personnes interrogées lors de ma recherche ont confirmé cet aspect de la mobilité. La totalité des personnes interrogées ont remarqué une différence d'organisation des enseignements et du rôle des enseignants par rapport à la France, tandis que certaines soulignent la différence de relation enseignant-élève. Donc justement, je vous ai mis ici une citation. Donc une jeune fille disait en parlant du Québec, « Là-bas, on t'appelle madame ou monsieur, ou par ton prénom. Il n'y a pas cette idée que tu détiens le pouvoir ou la connaissance. » Et certaines ont également précisé aussi, dans certains pays, l'importance de la religion et des fois des concepts de laïcité qui n'existaient pas à l'école. Donc ça, ça a pu surprendre également. Maintenant, au niveau de la plus-value pédagogique, l'article de Dinvaux, toujours, parle de confrontation de ses découvertes à sa propre pratique. Au niveau de la confrontation de toutes leurs découvertes à leur propre pratique, 2 personnes interrogées sur 4 affirment que cela les a aidées à se remettre en question sur leur pratique enseignante et a eu un réel impact sur leur manière d'enseigner. D'où cette situation. En France, on insiste beaucoup sur le fait de se tenir droit à sa table et qu'il ne faut pas broncher. Moi, je ne fonctionne pas comme cela. Quand je vois que ça ne va plus, on chante, on bouge. Je les laisse également changer de place lors des exercices ou se mettre debout. Alors, une autre personne a également affirmé qu'elle aurait voulu utiliser ce qu'elle a observé lors de sa mobilité, mais que pour l'instant, ce n'était pas possible à mettre en place. Alors, pour conclure, donc, nous avons vu que les mobilités de plusieurs mois ont des répercussions très importantes sur la pratique des enseignants à leur retour. Et les personnes que j'ai interrogées m'ont affirmé, surtout au niveau de la gestion de classe, utiliser quotidiennement ce qu'elles ont découvert lors de la mobilité.
Par contre, les mobilités courtes ne permettent pas réellement d'influencer les pratiques au retour. Mais on constate pour l'ensemble des mobilités, qu'elles soient courtes ou longues, une plus-value interculturelle qui participe à former des enseignants beaucoup plus ouverts sur l'extérieur. Et donc, je terminerai par citation d'une des personnes que j'ai interrogées qui est partie au Kazakhstan et qui disait « C'est un pays que l'on ne connaît pas du tout. Nous n'étions que deux car le pays fait assez peur. Ma famille avait également beaucoup de préjugés, mais ce voyage nous a beaucoup apporté. » Merci beaucoup. Merci beaucoup Clara de ce témoignage. On m'a informé que la troisième carte blanche ne pouvait pas se connecter, donc on va avoir quelques minutes, toi et moi, oublie tout le reste de cette assemblée pour échanger un petit peu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque Clara est là pour y répondre. Peut-être tu peux nous préciser, donc là j'ai vu qu'il y avait le Kazakhstan, les autres pays des mobilités des trois autres personnes que tu as interrogées. Donc justement, il y a eu le Kazakhstan, le Québec, la Pologne et la Russie. D'accord, ok, très voilà. Bien. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Tu dis qu'il y a une des personnes qui t'a dit qu'elle avait observé quelque chose, mais ce n'était pas possible à mettre en place en France. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était et pourquoi finalement elle a indiqué que ce n'était pas possible à mettre en place? Oui, non, je ne suis pas trop revenue dessus parce que c'est tout un débat, mais elle parlait de la pédagogie Montessori notamment. Qu'elle avait découvert et donc qui était pas possible, notamment parce qu'elle m'a dit qu'elle avait des grandes sections de maternelle, donc que déjà problème numéro un, il faudrait commencer dès le début, donc en première année, et également pour des questions de budget. Donc elle m'a dit qu'elle essayait de fabriquer des petites choses elle-même, mais que ce serait pas possible de passer complètement en pédagogie Montessori. D'accord. Ouais. Toi-même, tu es partie aussi en mobilité ? Oui. Oui. Alors qu'est-ce que ça a changé sur tes pratiques ? Alors, donc je suis partie en licence LLCER, donc je n'étais pas encore dans le milieu de l'enseignement. Mais j'ai pu être à l'université de Glasgow et j'ai remarqué des choses qui étaient très différentes, donc au niveau de l'université, notamment la façon dont on abordait les savoirs. Donc en France, donc, c'est beaucoup sous forme de TD, de CM, donc ce qu'on retrouve aussi là-bas. Mais il y a beaucoup plus de discussions en fait en Écosse. Par exemple, notamment, je prenais des cours de littérature comparée, et on avait l'impression que la parole de chacun était autant importante que la parole de l'enseignant. Et ça, c'est des choses que malheureusement on ne retrouve pas toujours en France, pas forcément en Master MEF, mais c'est des choses. Pas du tout en Master MEF. On n'est pas du tout comme ça en Master MEF. Et ça rejoint un peu ce que disait une des personnes que j'ai interrogées, qu'il n'y a pas cette idée non plus qu'on détient le savoir en tant qu'enseignant. D'accord, très bien, merci. On retient aussi finalement de ton étude, dans ton mémoire, que mieux vaut partir longtemps. Oui. Donc ça va faire une très bonne transition avant la petite pause qu'on va avoir vers la dernière table ronde où on va parler des mobilités et de comment favoriser ces mobilités. Voilà, donc on a 5 minutes de pause avant de la prochaine table ronde. Merci.